Bonjour, je vais vous montrer comment décoller un carreau sans casser le placo et sans casser les carreaux qu'il y a autour. Donc déjà, il faut enlever les joints qu'il y a autour du carreau. Donc moi, en fait, je me sers d'un tournevis plat, en fait, qui est, bah, que sans passer un jour, j'ai cassé. Donc en fait, vous tapez doucement. Le but, c'est de dégager le coin. Sans abîmer le carreau du haut. Si vous l'abîmez, il faudra le changer aussi. Quand vous arrivez au coin où il y a les quatre carreaux là, il faut faire gaffe de ne pas péter les coins, parce que sinon bah, vous allez fissurer. Si c'est le carreau que vous devez enlever, c'est pas très grave. Mais il faut faire attention. Bon.
Donc après, quand vous avez fait ça, j'ai un peu de colle. Là, vous cassez le carreau. Qui est un peu dur à casser. Quand vous tapez hein, sur la duo. Un peu costaud. Hein. Et après, bah, il faut enlever le carreau comme ça en petit morceau. Pas casser avec. Des fois il y a la colle qui part avec, des fois ça part pas avec. Vous voyez là, le placo il tient pas du tout. Après il faudra juste nettoyer ça, tout ça, toute la colle, là, le mettre à peu près égal au mur. Sinon après ça sera, il y aura trop d'épaisseur pour les autres carreaux et ça va pas faire très joli. Avec, tant mieux. Donc voilà, donc après bah, avec soit un petit tournevis, mais il faut vraiment y aller doucement, le but c'est pas de péter le placo. Voilà, il faut faire ça.
faut nettoyer. Il faut tout, tout décoller, mettre bien égal par rapport à l'autre. Et voilà, donc là j'ai décollé un carreau sans tout casser. Sans casser tout ce que le placo, les autres carreaux autour. Bon, des fois ça peut vous arriver, vous avez des joints qui sautent autour. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça je les referai plus tard. Je les referai quand je referai les jeux de joints. Voilà. Au revoir, bonne journée.